Je dis à nous comprendre clair. Et tout le monde a ça passé dans le pays, il n'y a pas nouveau pièce monde. Et nous en bas, il y a un pouvoir dictatif. Et un dictatif féroce. Donc, Jovenel Moïse, qui est ancien président et qui le paie dans le pays d'Haïti, que nous-mêmes, dans cette organisation, Molegaf, Kobit, Sek Gramsci, Sek Janil, Koepa, Lesepa, nous allons connaître Jovenel Moïse. Notre pays a son équipé, son voleur, son criminel, son kidnappé, qui fait massacre, qui fait crime d'État, qui t'a donné en prison. Et bien nous, aujourd'hui, c'est même Jovenel Moïse qui sont monde qui pas droit, qui pas clair, qui a pris été monde sérieux. Et je dis à nous, pas qu'être voleur dans la rue, nous pas qu'être citoyen honnête, crédible dans prison. C'est pour résoudre ça, par rapport avec le gros mouvement qui a fait hier, nous avons toute intimidation. Toute répression, la police t'a fait sous des militants, des citoyens conséquents qui te les fait camper pour dire non, je n'ai pas d'accord avec la dictature. Mais nous ne pouvons pas seulement dire que la police, parce que tu es dans le GNF et tout, qui t'a habillé à uniforme de moi, nous avons commandé pour venir massacrer la population, pour venir massacrer les journalistes qui accompagnaient nous dans le moment où nous avons fait revendication nous passer. Eh bien, dictature, ça, nous comprenons, c'est ça où elle est, la dictature bourgeoise, même si elle a la dictature prolétarienne, mais dans la dictature bourgeoise, là, c'est ça où elle est, la démocratie bourgeoise, je dis à tout le monde clair, nous existons, nous allons vivre. Et depuis ce pouvoir, PHTK, ça, nous-mêmes, comme haïtiens, nous-mêmes, comme militants, nous qui connaissons la bataille, nous connaissons vivre tout mourir. Depuis sous régime PHTK, ça, nous connaissons la vie, tout mouille. Comme nous avons existé déjà, nous allons vivre, et bien nous disons, ça n'a pas vivre là, et bien nous prions, et nous campons debout pour nous mener la bataille là, contre le dictateur, féroce ça, parce que la victoire est pour ceux qui luttent debout, et pas pour nous capter à genoux, même si l'église dit. Et c'est que nous-mêmes, nous prenons toute détermination, nous, et nous campons un grand monde. Nous campons, nous sommes à Lumanja, nous sommes 50 nous, pour nous dire Jovenel Moïse, ça le VFA, pas passé. International là, OEA, quoi groupe, capsiboté criminel, capsiboté dictateur, pendant qu'on dit, il y a ce motel de la démocratie, n'a parlé de les États-Unis d'Amérique, et bien nous, aujourd'hui, c'est même nous-mêmes qui montrons, il y avait 26 corps pour l'élection, pendant 7 ans, au pays a bouleversé. Tout le peuple là, tout 10 départements, ils n'ont pas d'accord avec Jovenel Moïse, ils n'ont pas voulu Jovenel Moïse, parce qu'elle n'a pas dirigé pour le peuple là, elle a dirigé pour le département d'État américain, Jovenel a dirigé pour l'international impérialiste là. Ah ben nous-mêmes nous disons, nous-mêmes comme haïtiens, nous avons propre autodétermination nous. C'est nous-mêmes qui connaissons, qui compte pour mener le pays nous, parce que nous voulons vivre, nous souffrons trop. Je viens faire massacre d'État dans la Saline, massacre d'État Gravine, massacre d'État Fonds National. Ah ben nous disons, nous ne sommes pas capables encore. Faut dictature Kaba, c'est tout dictature bourgeois. Parce que nous ne sommes pas capables encore. Nous voulons le souffle. Top kidnapping, top crime. Dictature, pas capable de résultat. Nous avons besoin de transition populaire. On transition de rupture qui va couper fâché avec le système impérialiste populaire. Et là, ça, nous-mêmes comme haïtiens, nous avons pris vivre tant que monde, tout le monde. Nous avons Kamal Bedoubi, nous avons Kamal Jéronel qui va l'avancer. Sous même question ça, dans question perspective, évaluation, mon vote est fait hier. Merci beaucoup. Nous sommes sérieux, Domini, nous sommes responsables de mobilisation dans mon légaf. Et nous sommes campés dans la voici. On va nous étions chaponnés bien bas devant la presse avec tous les militants qui ont accompagné nous hier dans le marche pacifique nous avons fait contre la dictature dans le pays. Nous avons comment Jovenel Moïse a fait massacre dans le quartier populaire, comment l'a fait exécution sommaire sur une série de monde dans l'université de l'État, tant que Grégory Saint-Hilaire, tant que professeur Mouferier Doval. Là, nous considérons comment la situation économique masse défavorisée a été plus grave de jour en jour.
Et là, nous, dans la date qui était 13 janvier 2020, Jovenel Moïse voulait instaurer une dictature dans le pays à côté de l'écraser parlement dans l'idée pour être capable de diriger par décret. L'écraser la Cour des comptes, l'écraser ULCC, l'écraser l'ICREF, et je vous dis à lui-même attaquer la Cour de cassation. Nous-mêmes, étudiants en de l'Université de l'État, avec toute l'autre organisation populaire de base qui a bataille pour changer les conditions de la vie en de pays, nous disons Jovenel Moïse, il faut qu'on ait dans limite tout. Mado fini. Ancien président Equilpia, qui ça le fait lui-même, c'est mettre Genève là dans la rue, ensemble avec l'armée là, pour capable matraquer la population, pour capable simer balle à gaz sur le monde qui a manifesté. Même journaliste pas épargné. C'est dans ce sens-là, hier nous avons lancé une manifestation qui a commencé devant la faculté d'ethnologie. De fait, la manifestation a commencé. Et là, nous avons arrivé du côté de Dujo, pour une banque BNC. Monsieur Laméo qui habille en verre d'olive, si même balle sous nous. Mais ça n'a pas empêché la manifestation de continuer et heureusement tout pas de victimes parmi nous. Là nous arrivons à la zone Lalu, si monsieur Genève avec allié, il n'y a pas de mettre nous dans le sandwich côté, il n'y a pas de mettre nous dans le mi-temps, il y a si maille balle, il y a si maille gaz. Nous avons des camarades qui sont Fabrice, côté monsieur Paul prend 6 balles dans le pied et il y a plusieurs journalistes qui sont victimes. Nous tous avons constaté comment M. Bandi PNHO a eu un bon gaz en dans la machine de Télépacifique, là, côté de plusieurs journalistes qui étaient dans la machine. Là. Ça n'a dit, messieurs, dames, journalistes, depuis un régime dictatif, besoin de Banda en dans un pays, premier cible, c'est la presse. Cible, c'est le monde qui a eu sur la connaissance critique. C'est ça que fait après, je ne dis pas. La presse a victime, intellectuel en d'un pays a victime. Ça n'a dit pour PNH là. Ma coûte, t'es fait plus facile. Et y'a plus. Y'a 300 000. Nous t'es jeune justice nous avec vous. Et, m'pense si vous faites l'histoire, y'a connu ça qui t'est passé, ma coûte, après Divalier est allé. Avion qui a vint prendre Jovenel là, si toutefois la prend exil, parce que nous-mêmes, c'est pas dans l'exil, nous, c'est pénitentiaire. Avion qui vient prendre lancer li même ak madame ni ak petit li la vient prendre si yo là yo pa pral la Makoutou yo pa pral la Genève yo pa pral li ensemble avec policiers qui fait zak malhonnête en dans population et sous population. Bien l'autre bagaille pour nous capable signaler c'est côté tout le monde focus non seul parti dans décret et arrêter Jovenel prend pour lui capable couper mandat jijo. Mais il y a un deuxième point à arrêter à qui ça parler li parler de yon quantité hectare, Jovenel Moïse vend ensemble avec, bon pap dit vend, fait échange ensemble avec bourgeoisie salope là, côté Libye à pète 800 000 carotes dans une zone qui relève Savanjan, Libye 8 000 carotes, et Savanjan est situé dans trois départements, dans le département centre sous commune Maïsad, département nord, commune Prion, avec Saint-Raphaël, département Artibonite, dans la commune Saint-Michel de la Talaye. Li bay fè ça c'est pour capable planter stevia pour capable satisfaire besoin Coca-Cola. Là en clair nous voyons comment impérialiste la fort dans misère pays. Et pratique ça elle a toujours existé depuis après l'indépendance et jusqu'à présent pratique ça a continué fait. Nous-mêmes étudiants en dans université l'État ensemble avec organisation populaire de base nous pral lancer un calendrier mobilisation. Côté tout le temps, Jovenel Moïse, pas quitter tête pays pour l'aller dans pénitentiaire, nous pas quitter l'arrière. C'est dans ce sens que nous avons camarade Jean-Ronald qui parle parler ensemble avec nous concernant la mobilisation qui vient pour faire dans le jour qui vient. Non pas M. Nobel Bedoubi, étudiant en faculté de sciences humaines, membre Serge Janil. Et nous sommes tous ensemble camarades nous et qui t'a parlé sur dictature et Jovenel Moïse en complicité avec la communauté internationale là et la bourgeoisie et voulait instaurer depuis 2017 mais je ne veux dire nous arriver dans phase qui plus rigide là côté que mandat Jovenel Moïse prend fin depuis 7 février 2021 mais communauté internationale là avec bourgeoisie
continuer à supporter Jovenel Moïse. Mais nous dit communauté internationale là. Et nous sommes grands timoun et nous comprenons très bien. Il n'y a pas de jambes dans l'intérêt du pays d'Haïti. Et les États-Unis, depuis 1915, pas de jambes supporter le président démocratique. Pas de jambes supporter le président qui défend la population. Il était toujours à supporter des présidents corrompus, des présidents anti-peuple qui massacrer, qui assassiné la population. Et c'est même États-Unis, ça, dans les années 76, qui a fait la promotion pour la démocratie. Et nous-mêmes, nous sommes victimes de la dictature. Nous t'ai embrassé et promotion États-Unis t'a fait. Mais aujourd'hui, nous en 2021, c'est même États-Unis ça qui a supporté la dictature en Haïti. Et récemment, à savoir le 6 janvier 2021, nous tout est constaté comment les États-Unis l'ont mobilisé toute institution démocratique dans le pays pour qu'il ait empêché véritablement Donald Trump instaurer une dictature. Et aujourd'hui, nous avons un président qui pendant tout mandat là qui a fait assassinat, qui a fait massacre et mandat prend fin et même les États-Unis ça continue à supporter. La bourgeoisie, nous connaissons l'histoire. Mais une raison qui fait présence en Haïti, c'est parce que de génération en génération, population c'était une population qui était toujours prête pour accueillir monde. Nous t'ai fait en 1492, nous t'ai accueilli au pays. Mais c'est eux même qui t'a pas exterminé là après. Pendant la guerre de l'indépendance là, tu as un ensemble de polonais qui était accompagné l'armée française, qui était venu là pour goûter ensemble avec nous. Mais après, nous avons fini de battre l'armée française, de saline de barrières nationalité haïtienne. Et maintenant, fin 19e siècle, nous avons un paquet de problèmes qui existaient en Europe. Côté que nous avons des problèmes politiques, religieux, et nous avons un ensemble de monde là qui est venu dans des conditions fragiles, que nous n'avons même besoin de dire que ça ne va pas là comme bourgeoisie. Et bien, c'est le monde ça qui parle en complicité d'abord avec certains présidents, nous avons Fab Nicolas Geffra, et pendant l'occupation américaine qui parle juste des privilèges, et avec Eli Lescotou qui parle un paquet de privilèges. Et après la dictature, ils ont entré dans la politique, ils ont entré dans l'économie, et c'est eux qui ont mis président, c'est eux qui ont mis député, c'est eux qui ont mis sénateur. Et c'est eux, aujourd'hui, qui ont supporté Jovenel Moïse dans tout projet qu'il a pour l'instaurer véritablement la dictature. Et aujourd'hui, Jean-Camard la Sotil, nous sommes capables de constater que c'est 20 Jovenel Moïse, 20 pays avec non seulement la famille Clinton qui est puissant dans le pouvoir démocrate là, aux États-Unis, mais tout avec une frange importante dans la bourgeoisie, côté que la quantité d'hectares d'été qui est située dans trois départements, qui lient avec son production pour question clé en Haïti, mais je ne dis pas, et il y aurait mettre avec APED, la famille Clinton, pour faire deal, parce que Jovenel dit, m'a banon ça pour me aller pour me instaurer véritablement dictature. Et mais journée aujourd'hui, terre ça yo, c'est terre paysan de qu'on fait et paysan yo, nous capable constater dans toute l'histoire paysan, tu toujours une expropriation mais moun ça là, yo pas exproprier yo, yo pas décapitaliser yo et mettre des vlan pour libérer complètement et pas capable vivre en tant que moun. Mais c'est ça que fait nous même en tant que jeunes, nous t'es toujours une revendication, pas trop exigeant parce que nous dit en tant que jeunes. Nous avons vieux parents dans deux ans, faut que nous ayons accès avec crédit agricole. Faut que nous ayons les malades pour avoir accès à l'hôpital. Nous disons que nous sommes des ghettos tout. En des ghettos, il faut une structure d'accueil. Pour que nous ayons accès à l'éducation, l'hôpital, tout ensemble, l'école professionnelle. Nous avons dit que nous sommes dans l'université à tout. Nous entrons dans l'université dans des conditions, tout le monde connaît, obstacles culturels, obstacles économiques, mais nous entrons quand même. Là, nous entrons dans l'université, nous n'avons pas accès avec une bibliothèque digne de nous. Nous n'avons pas accès avec un plat chaud. Mais nous continuons à étudier. Et l'aime de finir étudier, nous dit, il faut que diplôme soit capable de permettre nous. Non seulement utile tête nous utile pays nous. Et mais il y a une preuve qui montre le pouvoir PHT, pas danser à jeunes à l'école, c'est ça que l'école normale supérieure, à côté que stage avec nomination garanti dans le cadre du protocole accord, Grégory Saint-Hilaire qui a fait stage depuis 2019, qui a demandé lettre nomination, et bien Jovenel Moïse, en complicité avec Dimitri Hérage, qui a assassiné Grégory Saint-Hilaire. Ça veut dire, c'est un pouvoir qui vide de contenu, qui n'a pas aucun sens. C'est ça que fait nous-mêmes. Nous te disons, toute génération rive orienter le coup de l'histoire en fonction de ça, en termes de besoin. Génération 46, la gouvernement contre dictature. Et nous-mêmes, si nous quittons ça arriver, génération future, c'est-à-dire petite, nous pourrons cracher sous mémoire, nous, si nous avons quitté véritablement Jovenel Moïse, instauré dictature, en complicité avec la communauté internationale et la bourgeoisie. C'est dans ce sens ça, nous te faisons une activité hier et nous gagnons ensemble activité. Que nous avons continué à faire. C'est à faire nous annoncer 3 journées de mobilisation, qui c'est demain, vendredi, hein, samedi et dimanche. C'est la grande mobilisation dans tout le pays pour dire non avec la communauté internationale là, et la bourgeoisie qui a
supporter Jovenel Moïse dans tout ça l'a mené dans le pays, que ce soit massacre, assassinat pendant tout le mandat là. Et je vous dis, mandat Jovenel Moïse prend fin, il continue à supporter. Et ça fait nous insister sur la communauté internationale et bourgeoisie. Nous connaissons Jovenel Moïse, son nul. Tout ça l'a fait, c'est deal qu'il fait avec le pays. Allez, il fait deal, il vend le pays déjà. Et c'est ça que fait, je vous dis, en Apoué, que ce soit Trump, que ce soit Biden, il cautionne tout ça. Nous-mêmes, nous avons 3 jours de mobilisation et nous avons un calendrier. Nous allons le présenter avec la presse dans les prochains jours pour que nous présentions pour nous dire nous continuons jusqu'à ce que le dictateur finisse dans le pays qui doit passer directement par Jovenel Moïse qui doit aller dans le pénitentiaire national avec Agenor Kadé, Martin Moïse et Dimitri Hera. Ok, merci. Ça a pris 3 jours de l'activité comme ça. Marche. Dans la même façon que nous avons organisé l'IA, nous avons commencé devant l'ethnologie. Nous avons foulé Macadam. Nous avons passé dans différents coins que nous avons passé déjà pour que nous disions non à la dictature, que la communauté internationale avec la bourgeoisie a supporté dans le pays. Comment on est au lycée Jean-Ronald, étudiant à l'école normale supérieure.